T'es bon? Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anki que me retrouve à tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été bien pour vous, bien amusé. Et pour un peu, c'est l'heure d'aller travailler. Midi à Zot, comme d'habitude, tiens, bon largue pas, reste bien calé sur Télécréole pour ce page informations locales, nationales et internationales. Mais rappelle à Zot que vous pouvez intervenir si vous avez l'envie de causer un petit peu avec nous là, ce matin entre 6h et 6h25. Le numéro de téléphone est à votre disposition pour appeler 006 157. Déjà, il apparaît sur sur l'écran devant chez Zot, que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux ou sinon ça sur la télé. Monsieur Azot, à toutes et à tous, bienvenue dans ce programme. On va parler aujourd'hui, comme d'habitude, hein, échappe pas, on va parler du Covid-19 sur le dernier point qui a été fait, n'a pas trop longtemps, avec un nombre, d'après Banna, il stabilise, une circulation qui reste aussi active. Hein, les bonnes autorités l'ont annoncé vendredi 20 novembre dans le point de situation que j'ai fait. Hein, ça l'a annoncé quand même pas mal d'une stabilisation plutôt. Hein. Donc, on ne doit pas dire le nombre de cas, combien les nards, combien la pointe, tout ça là, parce que chaque fois, il augmente ou il baisse et il n'est jamais fiable à 100%. Et puis, justement, par rapport à ce Covid-19-là, nous va parler des contrôles de police que Nena en tacon là sur la Réunion avec pour oblige Ban de Moon à porter Zot masque justement pour protéger non pas Zot mais pour protéger Zot Ban Dalon, peut-être aussi protège Zot, plus protège Ban Dalon que là en face hein, parce que la bave quand il cause il vole partout là, il risque de faire transmettre le virus hein. Ben il dit comme ça elle a été respectée à plus de entre au moins à 100% au moins 100% des personnes hein, qui respectent ce masque-là. Donc, Domoun l'a pris conscience, mais garde pas comment il porte le masque, hein, les 100% la plupart du temps, les porter justement sous le menton. Nous va parler du Covid-19 justement avec Emmanuel Macron qui l'est attendu bientôt pour faire le point sur la situation hein. Et d'après ce qu'il dit il est là pour desserrer un peu la vis là pour Noël pour justement les commerces les déplacements tout ça hein. Donc lui est là pour dire en gros mais il pense qu'il va juste donner un soupçon et après Jean Castex le premier ministre va chef dire toutes les affaires, parce que ne remarquez dans toutes les allocutions du président de la République, ben, il dit pas tout, hein, il laisse sous-entendre, après il laisse son camarade annoncer, hein. S'il a gagné sur les doigts, c'est plutôt que son bon camarade, le ministre, tout ça là, va gagner le machin. Alors, l'allocution du président de la République, l'est prévue, là, pour bientôt, hein, nous va donner Azot normalement c'est prévu pour mercredi à 23h, nous va donner Azot les dates bien précises, parce que des fois il dit c'est telle date, après maintenant il change. Bon, on va passer à un reportage avec Didier Raoult, qui dénonce la corruption du Remdesivir. Il est compliqué ce nom scientifique. La remarque, il lève grand matin, un peu compliqué pour lire. Et le Gilead. Donc, nous écoutons à lui son point de vue là-dessus. On a décidé de passer ce reportage-là parce qu'apparemment, ben, lui, c'est un bug que ben, souvent lui dit des choses que les autres ne disent pas. Donc, il faut donner à lui la parole parce que dans toutes les journaux télévisés, ici, La Réunion, il évite de donner, par exemple, gagne le mot, bah, pour pas le donner, donc, il donne pas. Moi, m'y passe à lui. Didier Raoult, tout de suite, et nous revient après. Le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça a empêché le développement de
du remdesivir, qui est le médicament de Gilead. Alors, pour vous mettre en phase, ce médicament est un médicament qui avait été mis au point pour traiter les infections virales et qui déjà avait été testé sur Ebola, dans des études non randomisées, hein, bien sûr, c'était pas à l'époque, c'est pas la mode, et qui ne marchait pas. Donc on a dit, tiens, on va le recycler, là, c'est pas moi, hein. On l'a recyclé, d'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Très bien. Qui avait déjà commencé à être testé, puisque j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyait en se disant, tiens, je t'ai donné un... Alors bien sûr, ça venait d'une insuffisance rénale, mais ça, on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. Donc moi, j'ai essayé d'introduire ce qu'avaient fait les Chinois. Les seules données qu'on avait, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas moi. Après, que les gens aient essayé de faire croire que je pouvais avoir des rapports de conflit d'intérêts avec Sanofi, qui, au contraire, avec qui j'ai les plus grandes difficultés pour avoir l'acheminement de médicaments, c'est pas raisonnable. Et puis, il n'y a qu'à regarder, mon ami Maraninki, sous les recommandations de Xavier Bertrand, a fait des déclarations de transparence que vous avez entièrement, vous n'avez qu'à les regarder. D'accord. Mais cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead et pro-remdesivir, a fait soulever incontestablement des questions de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut faire du Gilead. Ça a amené à voir que le nombre de gens qui avaient reçu l'argent en nature ou en argent par Gilead est considérable. Moi, c'est pareil, à peine ai-je parlé de la cyclorochine qu'un collègue m'a téléphoné la nuit, je finis par identifier que c'était, de manière anonyme, pour me menacer du pire si je ne retirais pas que l'hydroxychloroquine pouvait marcher avant le lundi à 8h du matin. Et donc après, je me suis rendu compte que c'est lui qui recevait le plus d'argent de Gilead. Alors peut-être que tout ça sont des coïncidences en France. Hein. Donc peut-être que tout ça sont des coïncidences. Mais si oui, c'est des coïncidences. Moi, je ne suis pas complotiste, hein, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Donc il y a quand même un rôle là, dont je ne connais pas exactement l'importance, dont il faudrait bien que le pays se préoccupe et faire appliquer les lois et que... Dans les temps à venir, le pays se préoccupe de faire des lois qui soient aussi rigides pour les praticiens qu'elles le sont pour les hommes politiques, par exemple, pour lesquels on a régulé ça. D'accord ? Et donc, on voit que les conséquences de ça sont une colère considérable. Beaucoup de gens qui sont, d'ailleurs, des collègues qui sont en colère contre moi, sont dans cette situation, qui est facile à regarder, hein, sur Eurofordoc. De gens qui ont reçu, y compris cette société, la Société de pathologie de l'âme infectieuse française, qui est subventionnée de manière très très élevée par Gilead. Et vous savez, ceux qui disent « Oh non, non, mais c'est juste de la bienveillance, tout ça », ils oublient cette réflexion de Milton Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, qui dit « Il n'y a pas de repas gratuit, ne croyez jamais que quelqu'un qui vous invite à dîner n'a rien à vous demander en échange ». C'est pas vrai. Alors quand là, c'est pas vous inviter à dîner, mais c'est vous donner des sommes pareilles, c'est qu'il attend quelque chose en échange, et il l'a eu. Parce que quand même, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie, pour faire un film d'horreur, c'est que, vous voyez, ça, c'est un papier de Science du 23 octobre. C'est un journal américain, c'est le meilleur journal scientifique américain, ils sont pas suspects quand même de ne pas aimer les produits américains. Et donc, ils disent, voilà, tous ces essais étaient très, très importants. Tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, le remdesivir. Mais là, c'est octobre. Hein. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas, quand même. Hein. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors on ne fait pas une perfusion pour rien. La perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure. On fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien on reçoit
du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le Remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez. Vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond, qui est la raison pour laquelle nous, on a porté plainte, et puis j'irai jusqu'au bout. Et c'est... Oui, à lui-même. Oui. Un concours. Long... D'accord. Ben oui, mais elle a été faite pendant la semaine créole. Oui. Et elle était super. Parce que mettre la langue créole en valeur, les dommages, elle a été repoussée par rapport au Covid, là. Oui, oui. Mais voilà. Et puis moi, voilà, j'ai eu un petit prix. Pour la première fois, m'y participe. Ouais. À moins un beau qui sort de CPPN, il arrive là-bas avec un nouvel. Ah oui. Et voilà, comme il gagne un petit prix, quoi, les gaillards. C'est-à-dire qu'ils mettent notre langue, notre causée, en écriture, tous les gaillards. CPPN, c'est la classe, c'est une classe, ça, non? Pardon? C'est la CPPN, c'est pas la classe CPPN, non? Oui, Chris priez pour nous. Ils sortent là-bas. Et après, on va partir dans Caro-Kann. Oui. Voilà. Et Astor rivalise avec Bandalon. Et ben il fait études, bonne cravaté là. Ouais, oui. Le col blanc, et oui. Et les gadiens, parce que c'est même pas un fond de cuir, c'est un nouvel en plus. Oui. Nouvelle, c'est une dizaine de pages. Ouais. Mais c'est quand même bien. Donc il montre que la langue créole, il plaît quand même à deux mounes que les en place, quoi. Si, c'est vrai. En plus, quelle salle, en plus, madame, est à nous. Le moka, enfin, le domaine du moka là-haut. Ouais, là, ouais. C'est très prestigieux, ça, c'est pour une cravater, ça. Voilà, donc, et donc, on l'a reçu un prix, Il y a pas le prix coup de pouce. Oui, coup de pouce, ouais. C'était qui l'avait organisé, ça, c'est la région? C'est la région, CCE, l'UDIR, l'Office à langue. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah tous les ans il fait ça. Ah ouais, d'accord. Avec l'office à langue, c'est qu'on appelle encore Gauvin, Axel. Oui. Il y a plus de dire avec très Monsieur Sablon. Voilà. Mais là, content pour vous. Bah, Franck, c'est qu'à tout dire à nous un petit passage de votre affaire là. Ça sera avec grand plaisir. Ok. Merci mon père, Monsieur Soubou. Voilà, merci à vous. Et puis mais moi, qu'on est souvent connecté sur Facebook ou. Il arrive. Ah, ok. Voilà, merci à vous, Monsieur Waro. Yes. Et puis, la prochaine, et puis bonne continuation dans le travail que vous faites. Hein. Ok, au plaisir, monsieur. Allez, merci bien. Allez, au revoir. Merci. Voilà les personnes qui veulent intervenir, bien sûr, sur Télécréole, à point de problème. Donc, nous rouvrons l'antenne, poussotte, même en plein milieu du journal, du moment que les intéressants font participer à Zot, tout ça là. Nous va parler de l'étang salé avec le parc aquatique qui rouvrira pas ses portes avant octobre 2021. Bah, pourquoi ça? Bah, parce que les restrictions, trop dures. Nous va parler aussi de plus de 112 000 ménages à bénéficier de la diminution d'impôts. En baisse de 26 millions d'euros ici à La Réunion. Les 112 000 ménages, n'est pas qu'il gagne bon peu l'argent là-dedans, ils bénéficient la baisse des impôts. Et elle est un peu bien aussi pour les gens qui payent, les gens gagnent un petit capital, ils payent pas, ils baissent un peu d'autres impôts, va faire un... au moins, la zone a fait un geste. Ben, quand il baisse les impôts comme ça, il veut dire on est dans d'autres choses. Par derrière, il vient. Donc, inquiète pas, Zote. Et donc, Soumana, il dit, c'est 112 075 foyers qui a bénéficié de ce baisse-là d'impôts sur le revenu d'un montant de 26 763 695 euros. Ben, là, il est précis, hein, en moyenne, 239 euros par ménage. Hein.
Et puis ça, il pas rien que la Réunion, hein, c'est 17 millions de foyers en France au total a bénéficié de ça. Il fait une baisse de 5,2 milliards d'impôts, hein, bon, environ 300 euros par ménage. Justement, le gouvernement, lui, maille un petit peu partout avec son bain de loi qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, qui est en train d'être voté à l'Assemblée nationale, sur la sécurité globale. Alors, nous va parler du journaliste là qui a été mis de France 3, qui a été mis en garde à vue, justement. On écoute son témoignage et puis nous va repasser à la suite. Le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça a empêché le développement. C'est vraiment une sensation d'incrédulité parce que on dit bonjour, on dit bonsoir, on dit écoutez, voilà, je suis journaliste, je fais une image. Et puis tout d'un coup, on se retrouve par terre, ainsi interpellé. Et pour une nuit de garde à vue qui restera dans mes mémoires, je pense. Hein. Vous venez à 5 cm de nous. Je fume le pain, monsieur. C'est bon, allez ailleurs. Donc, mardi soir, je rentre chez moi après avoir enregistré des émissions à France Télévisions. Je ne suis pas chargé de couvrir la manifestation. Je rentre chez moi à pied et je vois sur le coup de 21h, boulevard Saint-Germain, un déploiement de forces de l'ordre et puis des assauts pour disperser une poignée de manifestants qui restent sur le boulevard. Et donc, je me dis, par acquis de conscience, je vais faire quelques images. Ça peut servir pour le JT de demain de France 3 Paris. Donc je sors mon téléphone avec la carte de presse à côté et je commence à filmer. Je croise de nombreux policiers qui m'identifient, qui me laissent passer, qui me demandent parfois de mettre le car, etc. Et puis je remonte comme ça le boulevard sur 100, 200 mètres et j'arrive au niveau de la rue de Bellechasse. Et là, il y a 6 personnes qui sont interpellées, qui sont assises par terre. Et donc je filme la scène tout simplement et là, un des policiers me dit « Ah, il y en a marre des journalistes, allez-vous-en, laissez-nous tranquilles. » Je dis « Mais écoutez, monsieur, je vous filme pas. » Et lui me dit « Ah bah c'est comme ça, allez, asseyez-vous avec les autres. » Et je me retrouve interpellé. L'échange, il n'y a pas eu d'échange en quelque sorte, ça a duré vraiment 10 secondes, c'était très très bref. Il y a un sentiment d'incrédulité parce que je comprends pas ce qu'on me reproche. J'ai couvert beaucoup de manifestations par le passé et jamais on m'a interpellé, il y a toujours un dialogue possible. La dispersion de la manifestation a été ordonnée vers 20h et moi j'arrive une heure après. Donc à aucun moment j'ai entendu des sommations, à aucun moment on m'a dit de ne pas approcher et au contraire, tous les policiers que j'ai vus en amont m'ont laissé filmer et m'ont laissé m'approcher. C'est ce qui est problématique parce que ce rappel à la loi, je trouve qu'il n'a pas de fondement parce que il n'y a aucune infraction qui a été commise. Donc, rappel à la loi pour une infraction qui n'est pas commise, on sort avec un sentiment de liberté, mais comme une épée de Damoclès au-dessus. Voilà. Vous êtes libéré, mais pas totalement innocent. Voilà. Il ne faut pas que nous nous laissions intimider, on ne fait rien de mal, on ne prend pas parti, on est juste témoin de ce qui se passe. Et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait, de quel droit en fait on peut empêcher les journalistes tout simplement d'exercer leur métier, juste d'être témoin de ce qui se passe. Voilà, pas besoin de filtre pour travestir la réalité. Voilà, la loi sur la sécurité globale, c'est un affaire qui fait parler beaucoup. Hein, donc, le but c'est d'interdire de filmer les actions des policiers justement dans les interpellations, dans les manifestations, tout ça. Et donc, pas mal de partis politiques aussi la mettent ensemble pour essayer de trouver une solution pour ça. Ben, en train d'essayer de voter cette loi-là. Et ben là, ils pensent que en votant une loi pareille, ils risquent de poser plus de problèmes à la population. Même à la police même, hein, parce que bon, les gens ils risquent de faire encore plus de dégâts. Et dans les manifestations, la plupart du temps, les bavures policières les sera peut-être cachées. Et puis le droit à l'information de la presse les un peu bafoué. Et puis ben là, ils parlent aussi des drones. La France en ce moment, m'y pense que ben là, ils parlent un peu dans tous les sens avec trop bloqué. Hein, ben là, ils bloquent.
partout. Ben, elle parle aussi des drones que va venir surveiller pas mal de choses. Et nous avons vu aussi pendant la période de Gilets jaunes, comme elle parle dans la presse actuellement, pendant la période de Gilets jaunes, mais les drones étaient en service justement pour les policiers aller faire des escalades là-bas pour essayer d'attaquer Gilets jaunes. C'était juste pour de la répression. Et donc, c'est pour ça, il cri-cri un peu. Donc, nous l'avons eu aussi un autre bug politique que la maille là-dedans aussi. Bon, m'y fait pas son interview parce que bon, c'est intéressant ce que lui dit. Donc, il y en a d'autres personnes que l'a intervenu. On a l'occasion, bien sûr, de passer d'autres personnes, tracasse pas. Et moi, ça va écouter avec Mélenchon, si je me trompe pas, avait parlé aussi de ça à l'Assemblée là-bas. Monsieur le ministre, vous avez passé votre temps à faire comme si ceux qui vous contredisent étaient les amis du crime, voire même des gens qui les encouragent. Vous n'avez cessé de dire qu'on vous insultait. Personne ne vous insulte ici, nous n'insultons personne. J'en viens au texte. Vous avez dit que dorénavant, quiconque le voudrait pourrait, comme auparavant, filmer. L'article 73 du Code pénal précise que lorsqu'un agent de police quelconque a le sentiment qu'il va y avoir commission d'un délit, il peut et il doit intervenir pour l'empêcher. Quand bien même, postérieurement, il serait établi que ce délit n'était pas en cause, qu'il n'allait pas être commis. On le comprend, la police a en effet une fonction préventive. Dès lors qu'il pourrait y avoir commission d'un délit du fait de prendre des images, à n'importe quel moment, n'importe quel policier, du fait de sa seule motivation et pas de son commandement, pourrait intervenir pour empêcher que les images soient prises. C'est tout à fait clair et évident. Par conséquent, le texte tel qu'il est ne nous protège pas de cette intervention. En connaissons-nous le risque? Oui, monsieur le ministre. Vous avez dit qu'il nous fallait aimer les policiers, les gendarmes. Nous aimons tout le monde. Tout le monde aime tout le monde. Ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans le délicat équilibre à organiser entre la répression du crime et la protection de la liberté. C'est très compliqué à faire et par conséquent, ça ne supporte pas les formules à l'emporte-pièce avec des tableaux en noir et blanc où il n'y a que des criminels d'un côté et de l'autre que de braves gens. Je crois qu'ici, tout le monde tâche de faire pour le mieux. Alors écoutez ce que nous vous disons sur le sujet. Si vous nous aviez proposé d'interdire les images de policiers qui interviennent dans la répression du terrorisme, mais nous aurions voté ça aussi longtemps que vous le voudriez. Mais ce n'est pas le sujet. Nous vous parlons de la police telle qu'elle est aujourd'hui, maintenant, quand des syndicats de police peuvent prendre la liberté d'assiéger des sièges politiques, de nous injurier comme ils le font. Depuis 3 jours, il y a dans la police nationale 32 personnes capables de tirer dans la figure de quelqu'un d'autre sans que ceux qui les entourent une seule fois n'aient eu le courage d'aller dénoncer un acte illégal. Madame Zineb Redouane, sa vie est précieuse. Elle a été tuée par un tir tendu depuis le sol. Impossible de savoir qui. Je vous remercie, j'admets monsieur Mélenchon. J'admets que le procureur n'est pas su, mais les autres si. Alors, je monsieur Darmanin, remercie. Moi j'aime les gens, tout le je monde. Je vous remercie, s'il vous plaît. Décidément, le micro ce matin, un petit souci avec. Alors donc, me disait Monsieur Mélenchon, que l'a intervenu justement là-bas du côté de son de l'Assemblée là-bas pour parler justement de ce loi qui risque de poser plus de problèmes que de bénéfiques. D'ailleurs, beaucoup de monde il dit ça. Bon ben quand Zotli décidé de passer des lois comme ça, donc Zotli arrive, Zotli en catimini comme il dit, hein, surtout là pendant la période de Covid où ça, ben la nena et maillage quand même, de monde n'est pas trop au courant de ça, donc il maille un peu alors. Donc nous va parler aussi du côté de Saint-Paul avec l'ancienne école Eugène Daillaux là qui sera détruite bientôt pour mettre en place des commerces, des structures pour apporter un peu l'argent à la commune de Saint-Paul. Alors donc l'objectif, c'est de booster l'attractivité du front de mer. Nous va parler aussi de vélo, parce que bon, ben, tout le monde y parle de vélo. Ça va, vous me dites, moi, les comptes vélo. Ah, mais ça dit, il me pédaler. Moi, pas contre ça. Moi, si tu vois, il me fait un vélo. Mais le vélo, est-ce que c'est dangereux pour la santé?
Ah, mais c'est ça, je n'en ai pas pensé. Faire du vélo bien partout, faire des pistes cyclables partout, les très intéressants. Faire du vélo en ville, les super bien. Mais une affaire, je l'ai oublié, c'est que nous n'avons pas la pollution des voitures, des micro-particules qui peuvent rentrer dans les poumons, tout ça. Là, faire du vélo, c'est aussi dangereux conduire une voiture ou marcher à pied tout à l'heure, parce que je les souffle, je t'y traverse, machin, bien sur votre vélo, je dépasse les voitures, tout ça là, et je t'y respire bien ce fameux dioxyde de carbone qui risque de poser azote de gros problèmes de santé par la suite. Il montre azote que tout ce que l'homme y entreprend ou redentreprend, les mauvais et les néfastes pour la santé. Nous va parler aussi de corail, on a entendu dans le télé, ben, n'allez pas là-haut, protéger nos lagons, voyali, voyala, tout ça là, il faut protéger tout ça, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut protéger tout ça. Il est interdit de moune marche dessus corail, interdit de moune baigner, interdit tout ça. Mais par contre, il y a un affaire que je l'ai oublié, l'a pas pensé, c'est le ruissellement de l'eau qui sort dans les eaux remplies de pesticides qui traversent, qui sortent quand la pluie tombe dans les eaux, dans les champs de canne, partout, dans les champs des plantes, implantations, tout ça là, où ça, maintenant, il désherbe, il met toutes sortes qui étaient la macoterie dedans. Mais tout ce lot de ravinage là, ça, ils sortent, ils descendent dans la mer, et c'est ça aussi, tuer le corail. Ça nous ferme la parenthèse là-dessus, puisque le temps est assez imparti. Les cours, donc faut m'y booster un petit peu là-dedans. Et puis, il y a aussi un bébé qui a été découvert sur le balcon de la ravine des Cabrés, un petit enfant de quelques heures hein, sur Saint-Pierre. Donc, le petit marmaille ben, la dépose à lui sur le balcon. Donc, le parent l'a fait aux enfants. Ben, il l'a abandonné dans un drap blanc. Ben, là, il dit que c'est peut-être aussi, c'est un jeune personne, elle avait un peu peur de ses parents. Donc, il a fait aux enfants, il a déposé. Donc, il y avait aussi une autre solution avec l'accouchement sous X, qui est prévu par la loi. Donc, elle n'a pas pensé à ça. Mais certainement, un mineur, on dit mineur, des fois, c'est de monde bien portant aussi, il fait des conneries comme ça. Donc, voilà. Donc, il est en train de faire l'enquête pour essayer de comprendre les circonstances des affaires, hein, de ces affaires. Demain, nous va parler un peu de sécheresse-là. Nous va parler démarchage à domicile, hein, ce que dit la loi. Hein, quand un bouc vient démarcher chez vous, on est là 15 jours de rétractation, justement, pour pas faire arnaque à ou machin. Et puis, faire signer des contrats à des personnes vulnérables, les interdits par la loi. Si, Zone Momont, les vieux à 90 ans, l'a fait signer un contrat par un démarcheur, vous pouvez porter plainte contre le démarcheur et contre la société. Clé là, et puis le délai de 14 jours. Cosmo La Réunion, ça qui dit n'a point de monde vilain, c'est que Zona Malol dans Dieu. Tout le monde est joli pour eux même. Hein. Donc, ça, c'est un causement Gramoun longtemps. Comprends le système comment il dit. Ça n'a point de monde vilain là. C'est que Zona Malol dans Dieu. Bon, après, nous allons parler du tamon. Tamon veut dire comment il gagne pas fait enfants, les gros, les gras. Une vache tamon, par exemple, il gagne pas fait tille, une chèvre, voilà. Nous va passer directement à la météo, puisqu'il est déjà 27, le temps il sort vite, soleil un peu partout le matin sur Saint-Denis, le temps sera couvert ailleurs, Mayotte, nous a le matin un temps couvert et l'après-midi on aura la pluie, sur côté de Bouéni, tout ça là, Bouéni plutôt on aura de soleil et ailleurs on aura de la pluie, hein. Donc Maurice, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi et on a un peu de pluie, les prévus. Voilà, journal un petit peu long, désolé pour ça, mi fini là-dessus, me donne un autre rendez-vous. Merci à autres surtout, hein, d'être là avec nous. Merci, on y retrouve à demain matin, 6h.